Let's go. On est reparti sur l'aventure. Bon, je sais pas pourquoi OBS déconne. Mais God of War aussi en fait. Pourtant on a augmenté. J'ai mis à jour le kernel Linux. Donc je suis sur une version un peu plus récente. Une version 6.1, donc quand même pas tout mal. Mais bon après on est sur une version de Et Proton c'est 8. reparti. Et peut-être T'es prêt? La mort absorbe. elle-même j'engloutis pour au matin recréer la vie. Oh, celle-ci me plaît. Je me demande si elle n'est pas de moi. Il faudra sûrement attendre une prochaine mise à jour de Proton quand même pour Est-ce que que c'est ça la soit plus fluide. réponse? C'est écrit terre. Engloutis la mort, recrée la vie. Alors vas-y, fais-le, fais ton truc là. Vas-y. Yurf. J'aurais aimé savoir que j'étais un dieu à Alfheim. Je m'en serais pas voulu d'avoir tué tous ces elfes. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faille en tirer. Tu n'as pas de remords à avoir. Les elfes nous ont entraînés dans leur guerre. Non, je comprends maintenant. On avait des affaires de dieu à régler et ils nous ralentissaient avec leurs broutilles. Vraiment? Tu ne vas rien lui dire? En fait, je me sens tellement plus fort maintenant que je sais que je suis un dieu. Ne te laisse pas submerger par la confiance, mon garçon. Ton pouvoir implique un choix. Tu peux soit servir tes propres intérêts, soit mettre ta divinité au service des autres, comme le faisait Tyr. Les gens l'aimaient vraiment, hein? Oui, c'était un dieu de la guerre. Mais il défendait la paix. Il avait la réputation d'être brave et juste. Et il utilisait son pouvoir et son savoir pour mettre fin aux guerres et non les déclencher. Alors certains dieux sont bons. C'est extrêmement rare, mais pas impossible. Celui-ci mentionne des endroits dont j'ai jamais entendu parler. Tyr était vraiment un grand voyageur. Tyr pensait que c'était par l'esprit et non la force qu'on empêchait la guerre et la destruction. Très Et il bien. savait que rencontrer différentes cultures lui donnerait une ouverture qu'il ne trouverait pas en restant parmi les siens. Alors qu'Odin a toujours gardé jalousement son savoir, Tyr n'hésitait pas à partager ses enseignements et sa sagesse. C'est pourquoi les mortels l'adoraient. En témoignage de cet amour, il lui offrait des cadeaux du monde entier. Qu'est-ce qui est arrivé à Tyr? Odin a fini par le considérer comme une menace pour son autorité. Il soupçonnait Tyr de collaborer avec les géants plutôt que d'aider les As à dérober leurs secrets. Il m'a d'ailleurs accusé de la même chose. Mais dans le cas de Tyr, je pense que c'était vrai. Tu crois que Tyr aidait les géants? Oui. Il se sentait responsable des souffrances qu'Odin leur infligeait. Je le suspecte de les avoir aidés à couvrir leurs traces. La tour de Jotunheim est manquante! Exact. Je ne sais ce qu'elle est devenue, mais ça ne peut être que l'œuvre de Tyr et des géants. Ah bah enfin. Bon, c'est un petit peu chiant quand même, on va essayer de 30 SP. Ah, c'est chiant. C'est chiant que ça rame du cul comme ça là. Vraiment Oui, développé c'est salement. toi. Portage sur PC, Si pas j'avais ouf, vu hein. ici. La pierre! Ça doit être ça! Ok, très bien, mais ça rame du cul. Oh la vache.
Ok, on est reparti. On est reparti. Je sais pas où on en est du coup. Ah, on en est là. Ok. La pierre. Ça va cracher. Ok, superbe. En fait, priori, on peut faire par, on peut faire comme ça. Hop là, ah bah très bien ça. Non, on peut pas. Ok. Ouais, ok les gars. Ça, on peut rien faire. Alors là, qu'est-ce que c'est ça? Celle-ci. La pensée est plus rapide que le vent. Une énigme qui fait travailler la tête plutôt que les pieds. Voilà qui m'arrange. Très bien. C'est nous d'XP. Non, ça on peut pas y toucher ça. Si apprécié, Tyr était vraiment paranoïaque. Oui, c'était à cause d'Odin, et c'était justifié. Il y a de la vie. Je suis full live, donc pas forcément besoin de. Putain, là, ils disent qu'ils. Qu'est-ce que je peux faire là avec ça là? A priori, je peux rien faire. Ok, bon bah on va descendre alors. Hein. Frère, un piège pour les vents de Hel. Mais où sont les vents? Les vents de quoi? Oh, on t'a pas dit. Quand tu étais malade, nous sommes allés à Helheim pour trouver un remède. C'est vrai? Une expérience traumatisante d'ailleurs. Mais ton père a appris un nouveau tour, avec un peu d'aide de Brock. Brock était là aussi? Mais... On reparlera de ça plus tard. Ok. Super, mais tiens, 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 X. Ah, un skindu de ma contrée natale. J'en avais un aussi à l'époque. Tu devrais le garder, mon garçon. Il a raison, prends-le. On aura peut-être besoin d'étaler du beurre pendant le voyage. Voilà pourquoi personne ne t'aime.
Ça change rien. Ouais, ça j'ai déjà fait, j'ai déjà monté là-haut. Là j'en suis déjà allé, peut-être qu'on peut passer par là. Essayez de voir. Non, ça s'ouvre pas. Et par là. Par là, y a rien. Par là. Ça c'est gros méchant ça, je crains que qu'on doive bon, ok, on va essayer de remonter là-haut. Alors s'il n'y a pas d'autre chose qu'on aurait loupé. Ok, je crois savoir. Merde, quel con. Bah je sais pas alors. Est-ce qu'on peut grimper à un autre endroit? No entiendo nada. Ok, mais c'est très bien, mais moi ça là je fais comment en fait pour Ah.
Non mais ça, il y a peut-être un truc là avec ça là. Je sais pas. Alors. Putain, mais qu'est-ce que on peut. Il y a un truc avec ça, j'imagine. Ah. Ok, super. Merde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Là, je ne comprends pas. Je comprends rien du tout. On va grimper par. Je sais pas si c'est par là que j'y suis allé tout à l'heure. Si, je crois. Ah si, je crois que je suis en train de refaire strictement le même endroit, le même même machin là, même grimpette. Putain, mais ça là, je ne comprends pas. Ça on peut pas. Bon là est-ce que. Donc ça il a rien dit. Donc il y avait peut-être un truc là-dedans. Codex. Putain, y a rien, 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 rien. Putain, mais qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans pour avancer?
C'est chiant. Ça là. Ok, ça se traverse maintenant. Super. Je pense qu'il y a un truc à désactiver, mais je comprends pas ce que c'est en fait. Le genre de truc là qui a. Un truc à taper, mais je comprends pas ce que c'est en fait. Ah mais... Je comprends pas ce qu'il peut faire là. Du coup... Donc ça j'ai déjà grimpé ici, poum poum poum. Aïe. Oui. Tac, tac, tac. Mais voilà, mais je comprends pas, aidez-moi, putain. Comment je fais? Ok, mais je comprends pas ce qu'il faut faire. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. On va tout dézinguer. Ok, mais pour moi là, il n'y aura plus rien à faire ici, là. Enfin, il n'y a rien à faire là. Je comprends pas parce que là il n'y a rien qui s'ouvre. Rien. Ok ouais mais...
Ah, je comprends pas le truc en fait. Je comprends pas le délire. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Truc de dingue. C'est de la merde. Même globalement mal foutu parce que là. Il y a des indications comme quoi tu peux faire des choses, mais en fait tu peux pas. C'est avec les différentes armes et tout, et en fait t'as rien à foutre quoi. C'est vraiment. Ce jeu est vraiment très très mal branlé en fait. Très très mal foutu. Insupportable hein, même. Ah. Mais est-ce qu'on peut avoir genre... Parce que là, il y a des fois, il y a des trucs, là, on a l'impression que c'est... On a l'impression, en fait, d'avoir des... Des micro-ouvertures. Genre par là. Merde. Ah. En fait, ouais, c'est super mal branlé parce que là, ce truc-là, merde. Je comprends pas en fait, comment cela fonctionne. Donc c'est un peu nul. Ce serait cool, ça serait d'avoir des indications claires. Merde. Ah, chiotte. Mais il y a peut-être un truc comme ça en fait, hein, où... Honnêtement, si c'est vraiment ça, c'est de la grosse merde. Là, franchement, c'est inatteignable. Bon, mais je sais pas, on va s'arrêter là parce que franchement, on s'emmerde. Et puis tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Allez, ciao. Oh, tout le monde. Alors, en fait, il se trouve que j'avais oublier une mécanique. Donc, voilà.
Ah donc putain. Putain mais. Et donc là, ok. Merde. Chier. Bon, c'est ça en fait le principe, mais bon. Merde, il est où? Le curseur, il est là. Pouf. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on en fait de ça donc? Engageant. En effet. Regarde, il y a des passages étroits de chaque côté. Parfait pour les garçons. Mes pères croient pas passer. Vas-y, je vais me débrouiller. Voilà. Fais attention, rien ne sera pas là pour te la difficulté. Silence, tête. Merde. OK. Assez joué. N'oublie pas pourquoi nous sommes ici. D'accord. Ok, alors vas-y, X. Ça vient d'une vaste contrée désertique très lointaine. Est-ce qu'il y a des dieux là-bas? Et comment? Ils sont très, très nombreux. Bon ou mauvais? J'ai bien peur que ça ne soit pas aussi simple. Ok. Se détruit. Ah, faut détruire les sceaux là. Bon.
Merde, c'est comment qu'on fait? Oh putain! Ah, c'était ça, c'était le A. Oh putain, le salaud! Oh putain, salaud! Paf! Paf! Oh putain! Quelque chose t'a troublé dans le tombeau, c'était quoi? Ok. Ce n'est pas important. Ça avait l'air important pourtant. Je me suis laissé emporter. Ne m'en tiens pas à rigueur. Waouh. C'était presque une excuse. Il faut croire que t'aimes briser les vases. Ha! Oui, par contre, là. Ah, voilà. Ah! Ok. Logiquement, le deuxième cercle devrait se comporter comme le premier. Faut juste capturer les bancs. Oh! Putain! Putain! Vas-y, c'est casse-couille. Faut que je refasse ce truc là. Oh putain, et en plus. Qu'est-ce que c'est nul comme jeu, putain, c'est mal branlé. Pas sûr d'aller au bout. Hein. Oh putain, j'ai trompé encore. Ah, c'est ça. Oh non! Je suis encore trompé. Oh, fait chier! Quelle merde! Incroyable! En fait, il y a des jeux frustrants. Bien en fait. Non! Putain! Tu me dises la vérité à partir de maintenant, d'accord? Même
si ça me laisse. Je veux tout savoir. C'est pas parce que tu détestes être un dieu que ça doit être pareil pour moi. Ah ouais. Hop là. J'ai compris. J'y vais. Bonne chance. Oh putain. Ah putain. Moi qui pensais que les lames étaient terrifiantes. Ah tiens, de la life. Je prends. Et ouais, par contre, j'ai pas vu le. Il y a un autre saut qui doit traîner quelque part. Par contre, je ne vois pas où. Je ne vois pas où. Non, c'est pas ça. Tiens, bon, allez, vas-y. Regarde, ce sont les loups géants, Skoll et Ati. Exact, ceux qui apportent le jour et la nuit. Le Ragnarok aura lieu quand ils attraperont le soleil et la lune, c'est ça? Est-ce que Tyr les connaissait? Je ne sais pas, mais il les aimait suffisamment pour leur accorder un mur entier dans son tombeau. Ok. Ah, mais lui, il avait pas les bonnes flèches. Attends. Tu trouves pas ça chouette d'être un dieu et de partir à l'aventure dans des endroits incroyables? Non, pas forcément plus que ça. Quand je pense à tout ce qu'on a fait et vu, c'était peut-être son cadeau à elle. Alors, ça va être là. Pas là. Quand est-ce que tu viens? Bon, on tentait par là. Mais je pense que c'est un peu naze. Mais... Oh putain! Oh, c'est pas mal. Ah merde, non, oui, c'était par là, je crois. Mais non. Parce que là... Ah mais attends, il y a peut-être... peut-être un truc plus haut. Là, c'est peut-être juste ce dernier. Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc qui s'est ouvert là-haut et qui... Voilà.
Non. Ouais, non, mais c'est ça en fait. Putain, mais comment est-ce qu'on fait pour. Ah, mais non, mais quel con! Ok, understand. Ok. Ok, 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 ok. Donc là, moi je retourne là. Donc là, je fais un re. Voilà, et là, je vais là. Parce qu'il est là le truc. Ouf. Et voilà. Et là. Zou. La pierre unique, elle descend. Ah putain! Piège. Atreus, ne reste pas ici. Je vais bien. Comment on va te sortir de là? Tire sur les chaînes le long du mur. Mais il y en a trois. Qu'est-ce que je dois faire? Atreus, concentre-toi. Tu peux le faire. Fais vite, petit. Je ne sais pas si je peux me noyer. Allez, réfléchis. Attirer le loup argenté, qui chasse la lune. Scoller le loup doré qui chasse le soleil. Pour provoquer le Ragnarok, ils doivent les dévorer. Mais les symboles sont pas dans l'ordre. C'est bien. Donc la lune va à gauche et le soleil à droite. Et les gardes sont au milieu. Mais quel levier je dois tirer? Ah, le X. Celui du milieu, vite. Levier gauche. À gauche. À gauche, Atreus. La lune à gauche, le soleil à droite et milliards de milliers. Le levier du milieu. Celui de droite. Celui du milieu, vite! Non! Au milieu! Levier gauche! Ok. Ok, facile. Je sais. Mais il t'a sauvé. C'était bien pensé, mon garçon. Ok, bon bah j'aurais rien d'autre à foutre alors. Bon là je peux rien. Ah si, là je peux faire. Et là. Non mais c'est le seul endroit où je peux aller. Ok.
allons voir ce que Tyr a pour nous. Oh non! La rune de protection de Freya, elle s'efface! Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Ça y est, on la tient! Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va dégénérer. Ah bah bravo! Alors je suis un homme, comme toi. Non. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes plus que ça. Et nos responsabilités sont gigantesques. Et il faut que tu sois meilleur que moi. Tu comprends? Dis-le. Le. Je serai meilleur. La puissance de cette arme, de toutes les armes, vient d'ici. Mais seulement si elle est maîtrisée par ça. Par la discipline, la domination de celui qui la manie. Mmh. C'est là que réside la véritable force d'un guerrier. Tu ne dois jamais oublier ça. Très bien. Avanti. C'est bien. Oh putain, fizz up. Oh la vache, mais... Ah putain, mais il y en a deux. Oh la vache, mais... Ah putain. Putain. Oh putain. Oh putain, mais... Oh merde. Oh putain. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel?
3, putain. J'ai pas de... Oh putain, c'est chaud. Hop. Oh putain, non. Oh putain, je vais encore me tromper de... Voilà. Putain de merde. Oh putain de merde. Oh merde, putain. Oh merde, putain. Ok, super. Trop bien. Oh putain. Oh putain. Par derrière. Oh putain. Oh putain de sa mère. Oh putain. Allez. Putain de sa mère, ça fait mal. Ah, possible que je fasse buter là. Oh putain, ah, je fais chier de merde.
Oh putain. Oh la vache. Oh putain, le con. Oh putain. Oh putain. Allez. Oh non, 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 non. Elle n'a pas le droit de ça. Eh, mais qu'est-ce qu'il me fait? Putain, mais la manette déconne, putain. Putain, oh la vache, mais la manette, elle s'est mise à déconner. C'est quoi ce bordel? La manette, elle s'est mise à déconner, elle pouvait plus tourner que d'un côté. Ok. Putain. Oh putain, non, ouais, oh. Bon, c'est un peu chiant en fait. Oh non! Oh non! Oh putain. Allez. Putain, ça y est, ça redéconne. Putain. Mais non, mais je peux. Putain, mais je peux. Allez. Putain, mais il m'a verrouillé. Il m'a verrouillé en... Mais je... Putain. Oh la vache. Mais quelle daube. Putain, il m'a verrouillé un bonhomme là. Il m'a... Oh non. À ta gauche. Putain mais... Mais non mais... Oh,
c'est pas bon. Allez. Allez. Non. Allez. Putain, le fils d'up. Oh non. Non mais vas-y. Oh putain. Allez. Oh non. Putain, mais... Non, super. Oh putain. Oh non, putain. Putain, vas-y, trouve une pierre de guérison aussi là, ce serait pas mal.
Oh merde, 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 merde. Oui, superbe. Oh putain. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, putain. Voilà. C'est qui le boss? Alors. Il était gros. Mais pas de taille contre des dieux. J'en ai vaincu des plus gros. Voilà, je me suis bien fait défoncer la tronche quand même. Je suis dans le mauvais sens. De quel côté à la vasque pour remonter? Attends, est-ce que... Est-ce que j'ai pas laissé d'autres trucs là? Un peu de vie, c'est bien. Ok. Ouais, il y avait ces deux là. Ok. La rune noire, machin, tout ça. Ok. Très bien. Eh ben, c'était moyen quand même. On est si près du but. Assieds-toi. Ah,
du vin lemnien, de l'île de Lemnos, près de l'endroit où je suis né. Lemnos. À la fin d'un voyage. Vraiment ? Ça sent l'œuf pourri. Il est encore bon ? Probablement. Père, pourquoi quitter ta terre natale pour venir ici? Est-ce que ça a un rapport avec les dieux de là-bas? C'est juste que tu détestes tellement les dieux, mais tirer la preuve qu'ils peuvent être bons, comme toi. Tu ne tues que ceux qu'ils méritent, n'est-ce pas? Ah, mais qui est assez digne pour en juger? Tais-toi la tête. Nous, on l'est, car on est sages. Mm-hmm. Tu parles de plus en plus comme ton père. Et ça alors? Prêt. Prêt. Viens. Je sens que ça va me plaire d'être un dieu. La rune noire. On va se l'équiper. Tout ça s'améliorer. Ça, on s'en fout. Ça s'améliorer. Ça s'améliorer. Ça, c'est pas amélioré. Ah, mais c'est pas mal ça. Ah, mais non! Merde, j'étais con. Bah, tant pis. Tac, allez. Compétences. Ouais, mais j'ai pas assez de trucs et de machins là. Sinon, ça aurait été pas mal. Et là, ici, bah, j'ai déjà tout amélioré. Hein, donc, y a que ici là où j'ai rien. Il manque des trucs quoi, mais ouais. Ok, bon ça peut être. Allez. On va où on veut, on fait tout ce qu'on veut, et maintenant on va rendre visite aux géants. Oui, maintenant qu'on connaît la rune qui mène à Jotunheim, on peut retourner à la porte sur le pic et utiliser le burin magique. Personne ne nous arrêtera cette fois. En avant! Ok. Je vais dire à Sindri que je suis un dieu. J'ai hâte de voir sa tête. Non. J'ai peut-être gardé ton secret trop longtemps, mais maintenant, tu vas garder notre secret. Qu'est-ce que ça dit? Je peux les lire maintenant. Ça dit,
À Muspelheim, royaume du feu, se trouve le gantelet de Surt. Une sorte de gant magique. Ou une série d'épreuves. On devrait aller voir. Notre jeune dieu n'a peur de rien. Je te l'ai dit, on devrait revenir avec un code. Ah, ça va. Bon, ok. Oh. Ok, vas-y. Pourquoi on devrait cacher notre vraie nature? C'est Odin qui garde des secrets. Pourquoi pas être honnête, comme Tyr? Tyr aussi avait des secrets. Et il avait de bonnes raisons. Il protégeait les gens. C'est plus sage de rester discret. Ça veut pas dire qu'il faut mentir à ses amis et à sa famille. Je suis sûr que Sindri comprendrait qu'il ferait pareil, petit. Ne t'inquiète pas. Alors, petit, tu es impatient de découvrir la terre des géants? Oui, mais je suis triste que le voyage se termine. Et si on arrivait à Jotunheim, mais qu'il n'y avait pas de géants là-bas non plus? Ça ne change rien pour nous. La seule chose qui compte est d'exaucer le vœu de ta mère. Ah! Ne bougez pas! J'arrive dans deux secondes. Mère, je peux lui dire? Non. Me dire quoi? Tu as mis ces trous dans ta bouche? Oh, je vais vomir. Je rigole pas. Je vais vomir. Ce n'est rien. Une histoire de famille. Oh. Oh. J'en connais un rayon sur les histoires de famille. Laisse-moi deviner. Ton frère n'est pas aussi doué que toi, et son travail ne vaut rien. C'est tout à fait ça. Tu parles que de ça à chaque fois qu'on te voit. Essaie d'y faire quelque chose, ou sinon, tais-toi! Je vois. Oui! On en a marre d'écouter les lamentations de gens insignifiants! Très bien. Ça n'est pas très gentil. Je vais examiner ton équipement. Je pense pouvoir trouver l'énergie nécessaire. Fabriquer, on sait pas. Ah, amélioration des mécaniques, amélioration, ok. Oh, putain, mais quel... Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, l'âme du chaos. Très bien ça. Ok. Cool. Je peux faire autre chose ? Protection du torse, ça c'est mort. Ça c'est mort. Pomme de hache, c'est mort. Ça c'est mort. Talisman. C'est dead aussi.